Je suis venu pour rétablir la paix au Congo central à une période de trouble. Je ne peux pas accepter de partir que la paix soit menacée. Nous tous, nous avons vu la pétition que jusqu'à ce jour, je n'ai jamais eue. Dans le jargon juridique, ce n'est pas une pétition, mais c'est un tract. Parce que dès lors que vous, les députés, vous n'avez pas reçu cette pétition, rien ne pouvait commencer. Et vous avez vu, on a commencé par m'enlever les gardes, on écrit à l'intendant de venir chercher le véhicule, on écrit au PG de venir sceller le bureau. Je ne peux pas accepter cette humiliation. Pour cela, je te remercie, honorable questeur, honorable Congo. Je me permets de vous lire ma lettre de démission. Congolais, fils et filles de la province du Congo central, durant toute ma vie, je me suis battu avec abnégation, détermination et constance pour le pluralisme politique et la démocratie. Aujourd'hui, certains collègues, sans aucun respect des textes légaux régissant le fonctionnement de notre Assemblée provinciale, ont initié une simple pétition me demandant de démissionner. Moi, Jean-Claude Vouemba, je servis avec amour et patriotisme notre province du Congo central. J'ai restauré la paix sociale et la sérénité que personne n'ignore. Malheureusement, suite à une fronde non justifiée, je ne me vois plus en mesure de remplir mes tâches de président de l'Assemblée provinciale. En conséquence, je vous informe, chers collègues, à ce jour du 23 juin, de ma décision de cesser d'exercer mes fonctions de président de l'Assemblée provinciale du Congo central. Que notre province demeure une province exemplaire, de peu durable. C'est notre responsabilité à nous tous. Que l'esprit de Fumukimbang anime toutes nos actions. Je dis et je vous remercie patriotiquement, honorable Jean-Claude Vouemba, Feya Matadi, le 23 juin 2023. Je vous remercie. Merci d'avoir bien travaillé avec nous. Ah, Président honoré. Kofi Angombe.